est chiante. Allez, file. Sérieusement, quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aborder avec vous une thématique importante à mes yeux, à savoir la vie en troupeau de mes chevaux. Alors normalement j'avais enregistré directement dans le paddock, mais vous allez le voir, les chevaux m'ont un peu embêté, du coup sans faire exprès j'ai supprimé l'intro, donc je la fais en enregistrement comme ça et le reste arrive avec les vidéos dans le paddock. Bon visionnage et à tout de suite. Donc, déjà, pour remettre un peu dans le contexte, au tout début, alors j'avais pas encore Kaina, j'avais pas encore River. Au tout début que j'avais Mega, il n'était pas en troupeau, il était dans des paddocks individuels. Et forcément, bah, au début, quand j'avais pas autour de moi des personnes qui avaient potentiellement des chevaux en troupeau, je me suis pas posé la question, je me suis pas dit bon, bah, pourquoi est-ce que je le passerais pas en troupeau. Et surtout, il y avait un point important qui me bloquait, c'était le fait que Mega était ferré. À l'époque, j'avais pas l'envie et j'étais pas conseillée. Voilà, on me conseillait de pas le déferrer. Du coup, bah, forcément, ça me bloquait et il est resté en paddock individuel. Excusez-moi, j'ai Kaina qui aimerait bien participer à la vidéo. Donc il est resté en paddock individuel pendant bien 2 ans, si je dis pas de bêtises. Non. Il est donc resté en paddock individuel pendant bien 2 ans, voire plus. Je crois que c'est 2 ans après, oui. J'ai pris le choix de réserver Kaina. À l'époque, bah, c'était un poulain hein, qui était en paddock. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la réflexion du troupeau, parce qu'en fait, elle vient de l'élevage M&D Paint Horse. Et quand je suis allée leur rendre visite pour la première fois, tous les chevaux étaient en troupeau tous ensemble. Ils avaient une vie tous très, très collective. Les poulains naissaient dans le troupeau et après vivaient ensemble dans le troupeau. Et j'ai trouvé cette approche vraiment très naturelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire la réflexion, de me dire que j'avais peut-être envie de faire ça moi aussi et de proposer ce cadre de vie à mes chevaux. Donc dans un premier temps, il y avait toujours la problématique des fers pour Mega. Du coup, je me suis déjà dit dans un premier temps que quand je récupérerai Kaina, je lui laisserai quand même cette qualité de vie d'être en troupeau. Donc il a fallu que je commence à réfléchir pour trouver une pension du côté de Marseille qui soit en troupeau, et c'est loin d'être évident. Donc j'ai eu la chance de trouver assez rapidement une pension sur Marseille qui proposait la mise en troupeau. C'était très rare, mais j'ai réussi. Et du coup, voilà, Kaina était avec des plus jeunes et des plus âgés et ça lui a permis de trouver son équilibre de poulain et de jeune cheval par la suite. Et enfin, j'ai... Qu'est-ce que tu as ? Craqué ou quoi ? Et enfin, par la suite, j'avais offert cette vie à Kaina et je me suis dit, il n'y a pas de raison que Mega en profite pas également. Du coup, déjà, j'ai pris le parti, dans un premier temps, de le déférer des postérieurs parce que c'est plus dangereux quand les chevaux sont en troupeau. J'ai Kaina qui se roule en arrière-plan. Et du coup, voilà. Je disais... J'ai déféré Mega des postérieurs et je l'ai mis en troupeau. Dans un premier temps, c'était avec River. Et après, il y a Kaina qui les a rejoints. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà comment mes chevaux sont arrivés à être en troupeau ensemble, tous les trois. J'ai River qui fait la gueule. Ouais, d'accord, c'est parce qu'il est en train de chier. Ah bah super, merci pour l'arrière-plan. Aujourd'hui, il est évident pour moi que je ne repasserai pas à une vie où je les sépare et où ils sont plus en troupeau. Sauf bien évidemment en cas exceptionnel où l'un est blessé, etc. Pour moi, ça a des avantages qui sont quand même vraiment très importants. Et les principaux sont l'équilibre mental et physique du cheval. Le cheval dans la nature est fait pour être en troupeau. C'est un animal qui est grégaire, qui a besoin de ses compagnons, qui a besoin d'un équilibre. Et du coup, sans cet équilibre-là, bon, c'est un peu plus compliqué. Bien évidemment, il y a des chevaux qui sont très heureux, qui ne sont pas en troupeau.
Mais voilà, pour ma part, je tends vraiment, en plus j'ai la chance de les avoir chez moi, donc je peux faire un peu ce que je veux. Pour ma part, je tends vraiment à leur offrir la vie la plus naturelle possible, et encore je trouve qu'il y a énormément de choses que je peux encore améliorer. Mais voilà, Méga, ça a été vraiment une révélation que de le passer en troupeau. River et Kaena, le cadre, voilà, bon bah il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à ne pas dépasser, c'est pas toi qui commandes, et du coup forcément ce comportement il le calque un peu sur nous. Donc c'est quelque chose qui est vraiment vraiment très appréciable. Après, il y a forcément des points qu'il faut respecter pour une mise en troupeau. Il faut vérifier en amont que les chevaux s'entendent bien. Donc dans un premier temps, c'est un contact à travers les clôtures pour vérifier que tout va bien pendant quelques jours pour qu'ils prennent un peu leur connaissance, etc. Il faut bien évidemment que les chevaux ne soient pas ferrés au minimum des postérieurs, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne peuvent pas mettre leurs chevaux en troupeau à cause de ça, et je le comprends tout à fait, mais pour moi c'est une mesure de sécurité qui est élémentaire. On ne met pas des chevaux ensemble lorsqu'ils sont ferrés, parce qu'il suffit que ça chahute un peu, que ça se chamaille, un coup de pied est vite parti, et si sans fer ça va n'avoir aucune incidence, avec un fer très rapidement on peut avoir des soucis. Donc maintenant je vais vous laisser avec quelques images de prises au cours de ces derniers mois de leur vie en troupeau. Voilà, bah écoutez, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Donc c'est le petit bouton qui est en bas et qui est rouge, s'abonner, à mettre un pouce si ça vous a plu et puis à commenter. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Donc comme vous pouvez le voir, dans le troupeau, au niveau de la hiérarchie, c'est River qui est le dominant. Du coup, voilà ce que ça signifie, c'est que quand il y a de la nourriture, de manière générale, il doit être le premier à la toucher, et puis voilà, c'est lui qui fait bouger tout le monde, histoire de, voilà, s'il veut aller manger un tas plutôt qu'un autre, c'est lui qui va faire bouger tout le monde. Alors, il s'est vachement calmé sur son comportement de dominant. Avant, il était un petit peu trop brusque et violent. Maintenant, voilà, il lui suffit simplement de s'approcher en mettant un peu les oreilles en arrière, et tout le monde a compris, tout le monde bouge. Du coup, forcément, pour l'organisation de la nourriture et du troupeau, il faut toujours qu'il y ait plusieurs tas à des distances assez convenables, au minimum 3, un par cheval, le mieux étant 4, comme ça il y en a un en plus, pour que, voilà, comme vous pouvez le voir, même si River pousse Kaena et Méga, ils n'ont qu'à faire quelques mètres pour pouvoir trouver un autre tas de foin accessible. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant de voir que lorsque les chevaux sont en troupeau, c'est de voir comment la hiérarchie s'impose. Vous pouvez le voir, Méga et Kaena mangent pratiquement tout le temps ensemble. C'est de la Sador, c'est un peu de la morvache, je t'aime moi non plus. Ils n'arrêtent pas de se chamailler tout le temps, ça chahute, ça joue fort, mais au final ils sont vraiment jamais loin de l'autre. Et même si par précaution je mets toujours un nombre de tas de foin suffisant, je les retrouve pratiquement toujours en train de manger ensemble. Donc ça c'est très agréable. Au niveau de la hiérarchie, c'est vrai que Kaena, elle fait un peu tampon entre Méga et River. Ces deux-là, ils ont un peu plus de mal, alors il faut toujours qu'ils soient un peu de distance. Je pense que ça vient du fait que quand on a mis River et Méga ensemble, Méga devait être très envahissant. Et du coup, River a décrété qu'il fallait qu'il reste à distance. Bon, alors ça, c'est vraiment pour le moment de la nourriture, parce que c'est vrai que pour le moment des siestes et du dodo, on les retrouve tous les trois ensemble, couchés, en train de dormir. Donc c'est vrai que ça montre qu'il y a quand même une très bonne cohésion de troupeau. Mais simplement, pour River, la bouffe c'est sacré et Méga doit se tenir à distance. Et Kaena, si elle peut manger avec son chéri, elle le fait avec grand plaisir.